La préparation, c'est super chiant. Salut tous les amis, c'est Unaim pour une nouvelle vidéo. Là aujourd'hui, on se retrouve sur la Wii U. Ah, et donc, ça faisait longtemps qu'on était sur la Wii U, n'est-ce pas? Bon, là j'ai la tête très très basse parce que j'en supporte. Allez, c'est parti, bordel de merde. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que au sommet, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo. Trois jeux inutiles avec Unaim. Bon, aujourd'hui, on va faire un peu la suite. Ça va être trois jeux utiles. Avec Unaim, utile qui est l'inverse de inutile, donc ça paraît logique. Donc c'est l'heure du premier jeu. Donc, premier jeu utile, c'est Cube Life Pixel Action Hero. Il y a aussi un autre Cube Life sur Wii U, c'est Cube Life Island Survival, c'est un peu comme Minecraft. Parce que là c'est un jeu avec des armes, donc ça peut être marrant. Mais c'est un jeu vachement utile, mais il coûte 7 € et pourtant il est vachement bien, par contre, on le trouve que sur le eShop. Bon, je suis habitué à jouer à deux avec mon frère, on verra s'il veut bien jouer tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire une practice, baby. Avec mon skin. Wow. On va aller sur la tour. Alors, oui, avec mon frère, on a créé plein de maps. Une tour, on va prendre des menus, et voilà. Bon, bref. Je peux pas baisser la luminosité là, comme sur la Switch, sur le temps. Bon, ça a l'air bien, mais bon, on va voir. Un jeu, il est beaucoup trop. Oh, dynamique. Ah, oh, ça a l'air bien. Oh non, c'est nul à chier. Attends, je vois un résultat. Alors, naturel, cinéma, jeu, dynamique. On va changer un peu, on va prendre naturel, on va laisser un peu ce bordel là. Et puis ce bordel là. Surtout ce bordel là. Hein. Oh non, c'est encore beaucoup trop clair. C'est flou. Je passais du temps là-dessus. Attendez. Donc ça y est, c'est bon, on peut enfin commencer. Alors. Alors encore cette allergie. Bon alors. Oh bah tiens, ils sont mignons. Alors on commence. Nous allons tuer des personnes aujourd'hui. Ah merde, on va y tomber de toute façon. Oh merde, je l'ai tué. LOL. Mon pauvre. Alors. Minecraft la gazon, putain, j'ai toujours voulu faire ça. Encore celui-là, il est spécial comme fusil parce qu'il tue peu importe où tu vis. Je vais mettre des poisons dans leurs balles. On va mettre la carte. Les petits points rouges, les ennemis. On a du mal à les voir sur la caméra, mais bon. Bon, ils se voient quand même. Elle est sur la tête. Bâtard. Attends, il a évité mon fusil. Dégage. Oh, il est mignon, lui. Il veut monter. On va essayer de lui avec lui. Allez. Allez, les enfants, on va jouer. Les deux en même temps. Et t'as vu ça un peu? Ah, j'en ai eu qu'un. Oh, attends, attends. Putain. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'adore les jeux de tir. Mais bon, c'est la preuve. Hein. Ouais, elle est pas encore qu'on joue un peu. Hein. C'est pas encore ça. Et puis, je l'ai eu. Suivant. Yeah. J'espère que ça bug pas trop au niveau audio à la caméra. Et aussi au niveau image. Le mec, le geek expert vidéo, waouh! Ben c'est un peu ça. Je suis le genre de gars qui rêve d'avoir un vrai matériel. Mais bon, j'ai juste une tablette, mais bon. Pour l'instant, ça va, je me débrouille bien. Oh putain. Attends, je prends autre chose, ça me lâche. Elle gueule.
Oh putain. Oh putain, blazer. Il y a longtemps, tiens. Il y avait longtemps qu'on l'avait. Ah oui, c'est la partie. Ah oui, je vais fort de vidette, hein. Alors. Oh putain. Oh, j'en ai trois à tuer là. Oh putain, je sais pas comment ils ont fait. Bah tant pis, je vais exploser le sol. Bâtard. Bon alors. Oh, alors. Oui, c'est des trucs là-bas, faudrait que j'aille chercher. Ah, j'adore tuer, putain! C'est nul. Je vais le mettre. Alors. Tadam! Et donc, ça brille un peu trop la caméra. Regarde, je bouge, là, je regarde la caméra. Je vois que c'est un peu trop lumineux. Bon, c'est pire, pas pire que ça. Alors. Oh, encore un peu difficile à viser. Parce que si, il tue deux fois le coup du joueur qui tient à la tête. C'est bien, je peux tirer ailleurs, je peux tirer plusieurs fois, dégage. Ah, c'est bien, faut que j'ai rechangé. Connard. Bon, allez, je les ai eu. Oh my god. Oh my shit. Ça va rien dire. Ah, il l'a senti venir, hein, connard. Alors. Ok, bon alors. Ah, j'arrive plus à sauter. Je préfère être là-haut. Pareil combien? Plus qu'une balle, je le tue, on pareil combien. Et voilà. Et ça y est, j'ai gagné 1 000 000 d'euros. Youpi, allez, vas-y, passe. Un bouton fric. Et il reste une seule balle. Si j'arrive à le tuer alors qu'il me reste une seule balle. C'était pas possible. Bon alors. En même temps, je vis à côté. Alors. Oh, c'est un bâtard. Rien. Même les extrêmes sont plus faciles, je vous jure. Alors, parce que ça c'est les moyens, l'extrême, ils ont des capuchons noirs. Mais même les extrêmes sont plus faciles qu'eux. Bon, j'ai pas vu pire. Ok. Au revoir. Au revoir, madame. Bon, après, quand tu tues quelqu'un, même dans un jeu vidéo, tu te dis que cette personne a grandi auprès de ta famille, au final, tout ça pour rien. Et toi, de côté, t'en bats les couilles parce que tout ce que tu veux, c'est jouer. Donc, voilà. Les gueules. Oh putain, j'adore faire ça. J'adore. Moi j'adore, c'est une seule balle, c'est bon, tu meurs, tu dégages. Voilà. Alors. Oh vas-y, je reprends mon fusil parce que j'adore ça. Tada. Je pas, il n'y a pas de sens, c'est pas violent. C'est faux. Bon alors. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de sens. Alors. Putain, vous me faites chier en fait. S'il y avait Gabon, ça serait encore plus drôle. Lui, il serait sur la télé, moi je serais sur le gamepad. Du coup, vous verrez pas ce que je fais. On verra. Alors. Nier. Voilà. Ah, c'est génial. Voilà. Alors. Mec, il a rien voulu dire. C'est ainsi que Jean-Louis décède sur le coup. Ah, c'était pas drôle. Bon alors. Un P90. Youpi. J'ai pas de place. Bon alors.
Oh, j'ai encore lui. Bravo. Attends, je vais le recharger direct. Ok, il n'y a plus personne. Oh, j'étais en mode, ouais, il n'y a plus personne, mais en fait, il y a encore des gens. Wouh! Viens ici, le petit. Oui, le mec, on est plus crédible. Alors. Mais crève! Il m'a pas fait plaisir. Il est méchant. En plus, c'est même pas mon anniversaire. Alors. Le mec, c'est bourré quand il joue. Putain, mais une balle dans la tête, il est pas mort. Tu déconnes? Alors, lui, c'est intéressant. Et voilà. C'est quoi, je vais reprendre l'autre? Je vais aller au bout de l'escalier, c'est plus facile. Tada. Oh là là, il y a vachement plus de cadeaux là. Oh là là, oh putain, je suis gâté. Oh my god, je suis gâté là. Oh mon dieu. La vache, je suis tellement gâté cette année. Nye. Dégage. Non, c'est pas là. Oh, je suis allé où? Alors, je suis mort 0 fois. J'ai fait 19 one shot. Sur 24 morts, j'ai fait 19 one shot. Excellent. Combien de roquettes j'ai utilisé? Combien j'ai tué de personnes avec un lance-roquette? Combien j'ai tué de personnes avec une TNT? Une mine? La distance totale parcourue. Voilà. Alors. Oh la vache, je suis gâté. Oh my god. Ah merci les gars, vous êtes gentils, hein. C'est des beaux cadeaux là. Oh merde, alors j'ai plus mon fusil, mon rouge ou ma canache. Je suis toujours pas crédible. Je sais même pas ce que je veux dire. Ok, bon. C'est quoi, on va aller en bas? Alors. Allez, Barbichette, allons en bas. Ta 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 ta. Ah! Ok, à peine j'arrive, lui il me tue. Comment il a fait? Et il va prendre cher. 64, dis donc, c'est mon chiffre. Allez, crève! Ok. Excellent. Voilà, c'était l'intention de discussion. Viens ici, petit. Je vais faire exprès de pas tirer dans sa tête pour le faire venir. Juste pour ça. Viens ici. Espèce de bâtard, là. Oh là 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 là. Oh my gosh, ils vont prendre cher. Dégage. Le mec est trop SDP. Alors. Bon. Qu'est-ce qu'on va prendre cette fois-ci? On va prendre ceci parce que c'est très intéressant. On va prendre ceci aussi parce que c'est beaucoup moins intéressant. Mais quand même. Alors. Ouh! À ça, par contre, tu vois, je vais m'en servir tout de suite. Alors. Oh, du coup, je prends pas des choses. Il est content. Allez, je vais trop vite prendre ça. Je les emmerde, ceux-là. Même les, je vous dis, même les extrêmes sont plus faciles. Là, ça se trouve, c'est trop facile. Et comme c'est trop facile, ça devient dur. Oui, c'est comme ça. La logique est toujours niquée avec moi. Effectivement. Mais crève, toi. J'aime pas ceux qui ont des fusils, là. Il est là-bas. Nien, tu m'auras pas. Enfin, je crois. Connard. Allez, on va tous faire niquer dans la grosse mère. Non, non, pas. Non, on n'insulte pas les mères, ça se fait pas. Il est père d'ailleurs. Allez, dégage. Maintenant, on va dire non, terrasse. Ou alors, on va arrêter d'abord. Alors, bonne initiative aussi.
Oh là là, il en reste 10 balles, on connaît combien. Et voilà. Alors. C'est pas assez, mais bon, ah si, je l'ai tué. Excellent. Bon, bah, qu'est-ce qu'il avait comme truc sur lui là? Oh, sur lui là, wesh, wesh, alors. Alors. Oh, il avait ce truc. Ah, j'adore ce truc. Ce silencieux. Bon, alors. J'adore ce truc de merde. Moi, j'arrive toujours à viser avec, regarde. Eh bien, t'as vu ça, j'en ai tué trois. J'en ai tué trois là. Regarde. T'as vu, ils sont tous morts et chacun se fait du premier coup. Regarde la preuve. Eh bien, 29 one shot. Dire que ça a augmenté de 10. Alors, j'ai fait. Bientôt, il y aura plus de one shot que kill. C'est pas possible. Bon, alors. Oh putain. Mais crève. Non mais oh. Viens garçon, je t'ordonne de crever. 13 balles là-dedans. Waouh. Alors. J'espère qu'il y en a un qui va me surprendre. Je suis derrière. Putain, il m'a tiré dessus le. Je pense qu'il avait l'air que moi, ça va. Yeah. Oh vas-y. Je l'avais même pas remarqué que j'avais. Allez, on va faire des one shots aujourd'hui, les enfants, ok? Et et deux. Ah bah non. Oh le bâtard. Dieu, je vais niquer ça. Voilà. Oh! Un quatrième. Ils sont tellement. Et si Proya, il m'a gâté aujourd'hui, hein? Wouhou! Alors. Oh là là, quel plaisir de filmer sur écran, même si en réalité c'est ultra chiant à préparer parce que ça me saoule, je prends des heures à préparer, même pour les vidéos c'est dur à faire. Au final elle dure pas si longtemps que ça. Mais merci, alors. Je dis merci. Merci d'avoir crevé Jean-Mich. C'est tellement sympa. Je suis craqué monsieur Adam. Alors oui oui monsieur Adam, j'ai dit. Oh je l'avais dit qu'il y en a un qui me surprendrait. Dégage. Oh, il me reste une balle. Attends, on paraît combien je vais avoir avec la dernière balle qui me reste. Wouhou! Et en plus, il reste encore toutes ses vies. Hein. Attends, j'ai eu du premier coup. Foutez pas de ma gueule. Hein, alors. Je suis mort trois fois. 35 one shot, c'est énorme. Hein. Ma distance a augmenté de 1 million. Oh! J'en fais notre feu. Ici, là. Pour ça, c'est plus une arme quand t'es devant lui, tu vois. Ce que je ferai pas. Alors. Surtout ceux qui ont un fusil à pompe. Fusil à pompe, laisse tomber. Alors. C'est ce que j'ai en fait. Alors. Ce que j'ai, c'est pas un truc en fusil à pompe. Lui, par exemple, il a un fusil d'assaut. Alors. Oh, vas-y. Joue au football. Joue au faceball. Baseball, ouais c'est ça. Ok, bon alors. Jure. Voilà. Ah oh, vas-y, je vais essayer de le tuer de là. Concentration absolue. Cette arme me gêne. Je l'ai tous tué de là. Oh, je les ai tous tués de là. Oh my god. En plus, il y en a un qui avait une armure super. Alors. Pourquoi nous on peut pas avoir d'armure? Mais crève. Voilà. Ah là là. Ah là, quelle joie de contrôler une arme aussi puissante. Oh le bâtard, il est dans le trou. Au fond, il reste 33 balles là. Ouh hein. Il a un fusil à pompe, enfin, je crois. Enfin, pas parce qu'il a, je le suis de toute façon. Oh putain. Oh putain, il avait marqué moi lui. Igor Nova. Oh, moi aussi j'avais tiré. Et voilà, comme par hasard, c'est un fusil à pompe. Super.
Super! Ah là là! Bon, en même temps, le meurtre, on est là où on va, tant mieux! Oh putain, j'ai du coup ça. Sur au bif. Alors. Pour voir s'il marche. Le mec qui regarde s'il marche alors qu'en fait, il est carrément un jeu vidéo. Ouais, voilà, ouais, vous savez. Bon, ça fait très longtemps qu'on est sur ce jeu, sûr, parce que le jeu suivant. Excellent! Wesh! Donc deuxième jeu, Edge. Donc c'est pas un jeu cher, c'est pas un jeu super bien non plus, mais c'est un jeu qui peut même être pratique pour la mémoire. Donc c'est un jeu utile à mon goût. Donc on nous allons y jouer, c'est parti. Donc en fait c'est un jeu de Nickelodeon X2. Tu dois bouger un cube qu'on l'envoie sur le dé et on doit le faire arriver. C'est très très chiant des fois. Bon alors, continuez, ressort niveau classique, niveau extended. On va faire niveau classique, tiens. On va partir du 1. Premier contact. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va, c'est facile pour l'instant. J'ai eu 1. Ça va. Bon, allez, on continue. Ça devient de plus en plus dur après. Attends, je vais essayer de faire un record. Mon record, c'est 15 secondes. Mon record est resté collé. Ah, j'ai fait 7 secondes. Mon record, c'est 15 secondes. Ouais. Yeah. Oh bah suivant, hein. Bon alors. Ah oui, vers le bas, oui. Ah. Ni, je suis où? Je pense que c'est la petite zone là-bas. D. Oh bah, là, je suis un peu de la merde. Hein. Comment faire? Ok, la perte de temps. Et moi je parle même pas là. Quand je parle pas, c'est que je suis concentré. Hein. Wow. Je suis surtout ébloui par la couleur du cube. Ah là là. Et donc ça floute un peu sur la caméra. Hein. C'est ce que je veux dire. Alors, des bêtes un petit cerveau chalant. Tadam. Allez, je savais que c'était un cube. Ah, un truc est tombé. Je le savais. Super. Mina. Ah, il faut être chaud hein, pour aller là-bas. Non! J'essaye. Non. Par là? Ok. Je veux pas aller là, moi.
Oh, tant pis. Ça avait l'air marrant. Tada! Niveau 5. Wow. B. Bon, cette vidéo est vachement plus longue que la vidéo sur les jeux inutiles, hein. Sur les jeux inutiles, on faisait d'autres trucs et on en parlait à peine, en fait, des jeux. Moi, alors... J'en ferai une deuxième fois, ce truc-là. Oh, c'est noir. Alors... J'espère que ça va pas bouger. Ça, ça va. Moi, oh, c'est beau. Oh, j'adore le noir, c'est normal. Alors... Je préfère noir au blanc, hein, franchement. Je préfère vous dire. Ah ok, j'avais pas vu. Et voilà. Oh, c'est beau. My god. Eh. Oh, c'est facile. C'est juste ultra vite, hein. Et là, tout se fait tout seul, c'est ça? Bon. Pour avoir S, faut prendre tous les prismes et ne jamais dehors. Wouh! Ascenseur! C'est parti! Yeah! Yeah! Wouh! On va essayer de prendre tous les prismes. Wow. C'est la gare. Ah merde. Fais gaffe un peu, hein. Wow. Ah, c'est 1 sur 2 qui me fait tomber. Bâtard. Allez, on va y aller. Je crois que ça va pas. Je crois que ça va y aller. Ah non. Ah. Et voilà. Wow. Ah, Gabar, t'as un trop tard. Pendant qu'on peut faire le jeu. Bon, alors, niveau suivant. Voilà, niveau suivant. Ah, c'est mon frère, il a pris un sac. Un sac. Waouh. Ah. Oui, parce que si j'essaie d'y aller, ça peut être possible. Du coup, je suis obligé de faire ça. D'accord, voilà. Ok, faut... Ah, vous tombez, bon, ok. Mais ouais, j'y arrive pas. Ah, j'ai encore fait 7 secondes. Quel chiffre de malheur qui est le 7 et le 17. Alors... Ah merde, alors... J'avais oublié ça même. Ok, avec 3 passions. Alors, mais wesh, ah, faut grimper dessus, c'est ça? Mais moi je vais grimper dessus. Ah, oui. Ah, j'ai mal au dos là. C'est un piège, je ne peux plus porter.
Ok, bah c'est bien. Hein. Bon, c'est quoi, on va passer au jeu suivant. Préparation du jeu. C'est le dernier jeu, wesh. Alors, le dernier jeu, c'est Amiibo Nintendo Classic Touch and Play. Enfin bref, c'est un logiciel gratuit. Donc, ça s'appelle... S'il veut bien démarrer le menu Home. Amiibo Touch and Play. On va le trouver, vous allez le trouver sur le eShop. En fait, c'est un truc gratuit, mais il faut avoir des amiibo. En fait, chaque amiibo va vous donner un jeu virtuel. Voilà. Vous avez l'occasion de rejouer à des jeux virtuels. Par exemple, j'ai débloqué cela. Celui-là, c'est mon amiibo game. Bon, bref, j'ai 4 amiibo. Dans 5. Il y a juste un qui est sous forme de carte, mais je sais pas où est ma boîte de DS parce qu'elle est dedans. Donc, on va en faire que 4. Donc, alors, ça, c'est celui-là. Jeu F0 Amirolotré, c'est mon frère qui a des propriétés derrière. C'est la carte dont je vais parler, du coup, on va pas pouvoir faire, c'est dommage. Alors, on va commencer par l'amigo garçon Inkling. Ok, j'ai mis mon nom. Inkling. Alors, non, qu'est-ce que tu fais? Oh. Alors, mon a. Alors, le jeu qui va être déclenché grâce à cet amiibo, si vous achetez le même, vous n'allez pas tomber sur le même jeu. Le jeu, quand c'est la première fois que vous mettez l'amiibo, est choisi au hasard. En l'occurrence, moi, mon amiibo, il était le garçon là, il fait apparaître le jeu Zelda. Je sais plus lequel. Mais peut-être que si vous en avez un aussi, que vous essayez, ce sera pas forcément le jeu Zelda. Ça pourra par exemple être, je sais pas, un Kirby. Alors, on commence tout de suite par l'amiibo garçon. Alors, moi, il m'a fait débloquer le jeu Zelda, comme je vous l'ai déjà dit. A Link to the Past. Alors, bon, on joue. Par contre, il y a un temps limité pour jouer. Donc là, bon, on joue au jeu Zelda qui m'a débloqué l'amiibo. Hein. Du coup, c'est pratique, c'est un amiibo que tu peux rien faire avec. Et ben là, tu peux déclencher des jeux auxquels tu as une nostalgie, j'ai envie de dire, pour jouer. Donc c'est bien. Bon, je suis pas trop Zelda moi d'habitude, mais bon. Ah, je suis tombé. Ah, mais non. Bon bah on va passer au suivant. Alors ensuite, alors j'ai Linkling vert en calamar. Alors celui-là il va déclencher le jeu Metroid. Et Metroid, ah bah c'est où je crois bien. Même si je joue pas souvent. Samus est de retour. Allez Samus, on y va. Donc ça c'est le tout premier jeu Metroid. Donc quand je l'ai eu, bah, quand je l'ai eu, quand ça c'est amiibo, hein, parce que ça pouvait être n'importe quel jeu, bah, c'est tombé sur celui-là, donc j'ai de la chance. C'est le tout premier Metroid, hein, celui-là. C'est écrit en plus. Moi je trouve qu'il est bien. Alors. Par contre, j'ai jamais compris le sens du jeu. Alors, comment je fais là? Bon, c'est quoi? On va passer au jeu suivant. Alors, ensuite, l'amiibo Oli. Waouh!
Alors, il va débloquer le tout premier Super Mario Bros. Bon, je vais pas vous avouer, enfin, je vais vous avouer que ça m'a pas servi à grand chose parce qu'en fait, je l'ai acheté le jeu. Le jeu NES, le jeu original, mais sur la Wii U. Je vous ferai voir à la fin de la vidéo si je n'oublie pas. Ok, c'est tout premier Super Mario Bros. C'est comme plaisir d'y jouer. D'ailleurs, ma grand-mère, elle a encore sa NES. Parce qu'elle a une NES auquel elle jouait avec ma marraine, qui est sa fille à l'époque. Elle l'a toujours, elle marche toujours. Je l'ai essayé il y a pas longtemps et elle marche à la perfection. Elle a le jeu Super Mario Bros. 3, donc là. Donc là, c'est le fameux niveau 1 hein, que tout le monde connaît, je pense. Ah! Drapeau communiste! Yeah! Allez, on va faire le niveau 2. Ah, pute. Bon, allez. Sérieusement, on va passer au jeu suivant. Et le dernier. Alors, ça c'est l'amiibo que j'ai eu avec ma Wii U. L'amiibo des combien déjà? Oui, c'est ça, 30 ans de Mario. Et grâce à lui, j'ai débloqué le jeu Kirby. S'il veut bien. Allez, allez, hyper poussière. Kirby's Adventure. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est le premier jeu Kirby. Moi, j'étais super content quand j'ai débloqué. Franchement, vu que c'était mon tout premier amiibo, hein, j'ai débloqué avec la console. Wesh. Donc, c'est le tout premier amiibo que j'ai eu. Et quand j'ai débloqué le jeu Kirby, eh ben, j'étais content parce que moi, j'aime bien Kirby, en fait. Un joli bonhomme. J'adore quand il traverse la bosse. Ni. Plus. Oh non. Je suis tombé. Voilà, c'est. On va dire que c'est fini. Oh, de toute façon, je ne sais pas où venir ma dernière vidéo. Donc voilà. Sur ce, les petits gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, donc c'est un peu la suite de. Il y a quelques jours, là, on avait fait la vidéo 3 jeux Unity avec Viname. Bon, on n'avait pas trop expliqué les jeux, on voulait juste se marrer. Mais là, comment dire. Bah là, j'ai expliqué les jeux. Bref, alors là, on a fait 3 jeux utiles avec Viname. Alors qu'il y a quelques jours, on a fait 3 jeux utiles avec Viname. Bon, on fera ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. Pensez à liker, à t'abonner si c'est pas fait, bien sûr. C'était pas ennuyeux cette fois-ci. Wow. Bon, et ben moi, je vais boire un café. Hein. Un café invisible. Plus. Mesdames et messieurs, et mademoiselle, bonne de fille de foot, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons nous débarrasser de plusieurs objets. Premièrement, cette connerie. Deuxièmement,
Cette connerie. Et troisièmement, cette connerie. Au revoir mon fils, bonne chance. Je t'aime, ton papounet adoré. Attention, dangereux. Risque d'explosion. C'est qu'un truc en plastique. Vas-y. Tu vois? Ok.